Oh bon, vous voulez ou quoi? Ouais. Bonjour, madame Pitou. J'ai besoin de 40 euros. Non, vous avez déjà donné, j'ai déjà donné 30 euros le mois dernier, c'est fini. Allez. Allez, 40 euros. Non, je laisse les pieds. Mais que je vais acheter des vêtements. Les chiens, je vais partir à poil, moi, quand même, là. Je vais partir à poil, non. Alors, on va jouer au bowling. D'accord, vous donne 30 euros. C'est la dernière fois. Salut, copain. Ah ouais. Ah, les mecs, on va au bowling. Allô? Allô, il y a quelqu'un à l'appareil? Il y a personne. Vous voulez 40 euros, s'il vous plaît, madame? Non, je veux pas. Je veux 40 euros. Non. Je veux 40 euros. Non. 40 euros. Oui. 40 euros. 40 euros. 40 euros. Non. Je t'ai lâché les pieds, moi. Mais il vaut mieux les pieds, s'en fiche. Mais je sais. Alors, comment se passe le bowling? J'ai acheté des clubs avec ces 4 euros. Donnez un pognon. Non. Allez. Non. Oui. Non. Je mets ta colère, hein. Je m'en fiche. Je me mords les doigts. C'est pas grave. Allez, dégage. Bonsoir. Ça marche, ça. Ça marche. Nous sommes ce soir dans l'émission Perdu de vue. Nous sommes à la recherche de Madame Picsou. Est-elle là? N'est-elle pas là? Nous allons le savoir au fur et à mesure de nos premiers témoins. J'accueille mon premier témoin. Bonsoir, monsieur. Vous êtes dans l'émission Perdu de vue. Oui. Oui. Je viens de voir Madame Picsou il y a un instant. Et elle m'a acheté... J'ai demandé 10 000 euros pour acheter des pop Nike Air. Dieu sait que c'est cher. Écoutez, j'ai problème de finance. En tant ministre solidarité, je peux avoir les moyens. Il faut que j'aille le revoir parce que... ça me sert le 43. Il me faut du 44. Il faut que je demande 10 000 euros de plus.
Alors n'oubliez pas, mesdames et messieurs, du 43 pour monsieur. Je vais accueillir notre deuxième invité, qui j'espère, celui, nous donnera une réponse. Bonsoir. Bonsoir. Averiez-vous vu madame Picsou? Oui. Je l'ai vu à la porte en train de retirer de l'argent. De retirer. Non, je. Non, mais c'est pas ma. C'est pas madame Picsou. C'est ma voisine. Oui, je me souviens. Je l'ai vu quelque part. Et où ça? Je. Non. Je m'en souviens plus. Ah, ceci, bien la bêta pour nous. Je pense que nous allons accueillir un troisième invité qui, lui, le saura peut-être où se trouve madame Picsou, notre curatelle d'État. Eh bien non, il ne l'a pas vu. Ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Et ni sur la table. Ça va, j'ai bien compris le message. Vous pouvez disposer. Maintenant, j'espère que nous allons la retrouver. Parce que c'est madame Picsou. Quelle cura-t-elle? Messieurs, dames, l'auriez-vous vu madame Picsou? Dites-nous une réponse. Je n'ai pas vu madame Picsou, désolé. Et monsieur? Pardon, je n'ai pas volé, je n'ai pas volé madame Picsou. Madame? Je la connais pas. Je ne sais pas où elle est. À Disneyland, peut-être. Ah, peut-être Disneyland. Peut-être. C'est une bonne réponse, oui. Les dames derrière. Non plus, nous n'avons pas vu. Qu'allons-nous devenir? Prochaine invitée. Peut-être que lui le saura. Bonjour, monsieur. Nous sommes ce soir dans Perdu de vue. Dans Perdu de recherche. Excusez-moi. Nous recherchons madame Picsou. Madame Picsou? Non, c'est ma femme, je cherche. Ma femme qui m'a quitté. La salope. La salope. Voilà, mesdames et messieurs. Nous allons laisser monsieur avec ses déboires. Malheureusement, ça arrive. Ah. Ça y est. Madame Picsou, nous sommes heureux de vous revoir. Où étiez-vous? Il m'a enlevé. Pourquoi faire? Pas de cigarette. Tout ça pour la gloire. Eh bien. Ah, quelle horreur. Enfin, nous avons retrouvé madame Picsou, notre curatelle d'État.
Enfin, la semaine prochaine, nous ferons une autre émission pour retrouver la salope de monsieur. Venez tous sur scène, venez, venez, venez. La parole au metteur en scène, Luc. Donc, bonjour à tous. Donc, vous pouvez, allez, on va les rappeler encore un coup. Je suis ému parce que jusqu'à présent, j'écrivais des pièces et on les a jouées, on est venu jouer ici. Il n'y a pas très longtemps, on a joué une pièce. Voilà. Et là, c'était de l'improvisation. L'improvisation, c'est difficile. Parce que c'est. Il faut que ça vienne, etc. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit alors, moi, je ne sais pas le faire, l'improvisation. Moi, il me faut du texte. Et là, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas moi qui leur ai dit. Moi, je leur ai donné le fil conducteur avec le sujet. Le sujet, c'était l'argent, c'était la curatrice, c'était le respect de l'un envers l'autre. Durant toute l'après-midi, j'écoutais ce qui a été dit, et ils en ont parlé, et puis je rigolais parce que je me disais, mais ils vont montrer ce que les messieurs derrière sont en train de dire. Donc c'est génial. Et moi, j'ai rien écrit, je leur ai donné juste le fil conducteur et le travail. Bien sûr, je suis là pour les guider, mais le travail, c'est eux qui l'ont fait. Et toutes ces idées, on l'a gardé, l'idée de la salope, excuse-moi, on l'a gardé, mais c'est venu de lui-même. C'est pas moi qui l'y ai dit, je le dirais, c'est lui. C'est lui. Donc, voilà. Tout ce qu'ils ont fait, c'est eux qui ont le mérite, et c'est pas moi. Moi, c'est pas moi, et c'est pas Chantal. Et en plus, ce travail qu'ils ont présenté là, je ne suis intervenu que 5 fois. Quand je parle, donc je vais laisser le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Justement, si ils sont arrivés, c'est parce qu'ils parlent avec leur cœur, et c'est pour ça que ça a donné ça 5 fois. Voilà.